Les amis, déjà appréciez cet outfit très Barbie vibes. Là, on est complètement dans le thème. Une bonne Barbie qui se respecte. C'est une Barbie healthy, c'est une Barbie en bonne santé, c'est une Barbie qui fait du yoga. Je sais pas faire de yoga. Ne prenez pas cette vidéo en exemple, ok? Vous pouvez juste vous inspirer des outfits et des décors. Pas coach de yoga, ok? On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va commencer par... Venez en bronze à la place. En vrai, une Barbie doit avoir un bronzage bien entretenu, non? Alors, j'ai quand même préparé ma séance avec quelques positions de yoga qu'on va pouvoir faire. L'idée, ça va être d'essayer de refaire ces positions. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On n'est qu'au début de cette vidéo, on n'est qu'au début de notre apprentissage de Barbie. Tout peut encore changer dans cette vidéo, ok? Par quoi on commence? Et si vous faites du yoga, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Peut-être que vous avez des petits conseils et tout. On a la posture du diamant, c'est ça. Là, j'ai la posture du diamant. Je sais pas vraiment en quoi ça consiste le yoga. Genre est-ce que c'est plutôt zen, méditation ou quoi, ou c'est plutôt des étirements? Posture de l'arbre. Je suis un arbre, je travaille mon équilibre. Vous allez comprendre pourquoi, parce que dans la suite de cette vidéo, on va avoir besoin d'un peu d'équilibre quand même. Je crois que le yoga, c'est pas pour moi. J'ai trop d'énergie pour ce sport. Bon ok, je sais que vous êtes là pour des trucs un peu plus compliqués. Celui qui trouve le nom de cette posture dans les commentaires, bah dites-le, voilà, c'est tout. Fin de la discussion. Tadam. Ça j'adore. Attendez, est-ce que je peux toucher mes yep derrière? Aïe. J'ai peut-être pas la grâce de Barbie, mais je me débrouille pas si mal, hein. Je suis souple, non? Je sais pas de quoi ça a l'air. Le yoga c'est sympa. Moi je suis plutôt une personne dynamique dans la vie, je dirais. On peut aller bouger un petit peu plus quand on peut aller se faire kiffer. Mais c'est encore une fois un sport que je sais pas faire. Beaucoup d'apprentissage dans cette vidéo. Je suis assise, je me suis pas encore levée parce que je suis pas forcément confiante en patin. Mais aujourd'hui on est dans la peau de Barbie et Barbie sait faire du patin. Donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Ça va? Tout va bien, mis à part le fait que je suis pas forcément hyper habillée comme tout le monde, mais sinon ça va. Je suis peut-être pas aussi gracieuse que Barbie, mais au moins je lui ressemble et c'est un bon début. Barbie touriste, je suis sur la tour Eiffel là. Là, je prends peut-être un peu trop la confiance. Ah oui, j'avoue. Oula, 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 oula. Bah voilà, on s'amuse bien. Hein. J'ai déjà accompli ma journée. Il y a une personne qui a dit « It's Barbie ». Donc là, ça y est, je pense que j'ai vraiment incarné le personnage. Je me sens dans mon élément. Oh là là, j'ai jamais été aussi vite de toute la journée. J'ai eu un « C'est Barbie » en espagnol. Peut-être prendre un peu trop de confiance. Je suis forte, hein? Je pense que je peux essayer d'en faire sur un pied. Merci, vous m'avez reconnue. Bah, je suis Barbie. Je suis pas encore hyper à l'aise, mais j'y travaille. Ok, je pense que là, je me suis assez dépensée. De toute façon, j'ai pas les capacités d'en faire un petit peu plus. Je commence à avoir très mal au bras, ça me fait vraiment des garrots au bras. Genre, regardez les gigas de traces que je vais avoir juste après. On va aller choisir une autre tenue ensemble. On va aller faire du shopping, parce que Barbie fait forcément du shopping. Dans des magasins roses. Ah, c'est comme ça que j'imagine. Et si j'avance, c'est parce que j'arrive pas à m'arrêter. Non mais regardez-moi ça, c'est pas trop stylé. Barbie est très d'humeur touristique aujourd'hui. Hein. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'à Paris, les gens sont tellement habitués à voir genre tout et n'importe quoi. Les gens sont pas vraiment choqués. Mon outfit, bah là c'est juste normal, c'est juste la base. On dirait juste une bobo parisienne qui va à son cours de yoga genre. Ah bah ça y est, nous y voilà. Les Champs-Élysées. C'est trop beau. Les amis, on se dirige vers Zara très exactement. Ils ont installé tout un stand Barbie de fou. J'y vais uniquement pour cette raison, pour voir du rose et des paillettes parce que c'est tout ce qu'on veut en cette belle journée. Je suis dans mon univers, je suis dans ma maison et genre juste le dressing. Mais oh mon dieu. Yes. Yes. Oh là là, ils ont cru que j'étais la mascotte du magasin vraiment. Je suis hyper fan. Oui, avec plaisir. Je suis Barbie. Bah ouais, mais... Non, elle était connue sur les réseaux. Je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, mais je te connais, mais je sais plus ton prénom. Camille LV. Oh oui. Mais aujourd'hui, c'est Barbie. Ok.
J'adore, je suis dans mon univers absolu et les gens pensent que je suis Barbie. Genre vraiment tout le Zara est Barbie. Je suis choquée, je sais plus où donner de la tête. J'ai pas les mots pour vous décrire à quel point pour moi là c'est le paradis. J'ai trouvé pour ma Barbie un Ken. Parce que moi je me suis réveillée avec Barbie mais je me suis pas réveillée avec Ken. J'ai 10 ans, j'ai envie d'acheter des Barbie premier degré. J'ai stressé. Oh c'est trop mignon. J'adore parce que là, on prend des photos avec moi parce que je suis Barbie. Pas parce que je suis Camille, c'est trop beau. J'adore. Bah écoutez les gars, tant qu'on est là, ce soir, on a quelque chose de prévu, de plutôt sympa. On a une soirée roller disco Barbie. Il faut être habillé tout en rose évidemment. Je pense que c'est le moment de trouver comment on va s'habiller pour la soirée de ce soir. It's Barbie's outfit. Oh my god! Did you see the movie? Yes. How was it? Yesterday, it was amazing. Bonjour! Quelle boisson vous recommanderiez à Barbie? On a le frappuccino du film. Je vais prendre ça. Vanille, fraise, du dragon, prénom. Barbie! Évidemment. Can I take a photo? Yes, sure. Where are you from? Paris. Elle est trop belle! C'est la boisson du film. Je suis hyper fan, j'adore, regardez, j'aurais vraiment écrit Barbie sur mon ticket. Je suis hyper fan. Le gars, il a fait la boisson Barbie juste pour moi. Genre, elle est plus à la carte et tout. Et là, il s'est récité, ok, il faut mettre ça, 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 la boisson du film Barbie et tout. Et la voilà, et elle est super belle. Je regrette absolument pas. C'est super bon. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé mon bonheur à Zara parce qu'il y avait plus ma taille. Du coup, je me suis juste changée parce que Barbie a toujours des vêtements de rechange sur elle. Toujours rose, évidemment. Et ce qui est fou, c'est que même avec cette tenue, on me reconnaît en tant que Barbie. Alors que là, pour le coup, c'est mes vrais vêtements. Genre, je pourrais totalement être habillée comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis une Barbie en devenir. Allez, santé! Bon les amis, il est temps de rentrer au 105. Mais la journée Barbie s'arrête évidemment pas ici. Il y a beaucoup de bruit, c'est trop bruyant pour Barbie, on va rentrer. Il y a une petite activité manuelle qui m'attend aux 105 et vous allez voir, ça va être plutôt stylé. Et si je m'en sors bien, ça fera partie de ma tenue pour la soirée de ce soir. Ouais. Là, j'adore vraiment tout le monde à la ref. Ah, bah pas trop loin. Tu vas où? Je cherche une place, de toute façon il y a tellement de monde. Ah ouais. Il est dans 7 minutes. Là. Attends, ça c'est la vraie expérience de Barbie dans le monde réel. Les amis, on se retrouve dans mon studio pour une petite activité manuelle. On va commencer à se préparer pour ce soir et il se trouve que j'ai un max de chaussures de Barbie. Il y a zéro van, regardez un petit peu. Waouh, c'est trop beau. Attendez, je vous montre pourquoi j'ai ces chaussures. Vous avez peut-être la ref. Je suis toujours aussi fan de ce tableau que j'ai fait dans une vidéo. Si vous voulez savoir comment faire, allez voir ma vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais m'en faire genre un bijou, un collier, un bracelet, peu importe. J'ai ici des trombones. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits anneaux entre chaque trombone. Genre là, il y en a un déjà fait. Et on va faire une ligne comme ça. Et dans les trombones, on va mettre genre des chaussures, des perles, de la déco et tout. Enfin bref, vous avez capté. Regardez-moi cette voiture Barbie. Oh non, j'ai voulu jouer et ça a mal tourné. Mais c'est vrai qu'elle en a dans le capot hein, celle-là. Franchement, je me rappelais pas qu'elle allait aussi vite. Hein. On peut pas être en retard ce soir, donc on va se remettre direct au boulot. Hop, je vous fais un petit tuto en même temps du coup. J'écarte mon petit anneau, je le passe dans mon épingle et puis j'en mets une autre. Hop, et je viens resserrer mon petit anneau. Tadam! Donc là vous voyez, j'ai ma petite chaîne, j'ai mis mes petits anneaux. En vrai, je pourrais même me faire un collier, mais là j'ai plus un feeling de bracelet. Les gars, aujourd'hui, j'ai moins de 10 ans, ok, mais je suis ravie, j'aimerais vivre comme ça tous les jours, vraiment. Allez, je commence avec un petit papillon, c'est super mignon. En gros, je vais faire une épingle sur deux avec une perle et une épingle sur deux avec une chaussure de Barbie. Une chaussure. Ah! Purée, mais c'est fou! Cette journée est beaucoup plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Je viens vraiment de me planter l'épingle à nourrice dans le doigt, genre ok. Tadam. Je sais pas si je rajoute encore des trucs. Je me dis peut-être ça manque. Mais attendez, en collier ça serait un peu stylé. Non ah, c'est beau aussi. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, même si je vais être obligée de prendre une décision sans vous. Comme ça, au moins pour les prochaines fois, je saurai parce que là, franchement, je suis hyper indécise. Et maintenant, on va
se préparer pour ce soir, pour aller à une soirée totale Barbie. C'est une soirée roller disco. Je me suis entraînée, donc il n'y a pas de raison que je tombe, ok? Partons confiants, on va tout miser sur le look et non sur notre capacité à faire du patin. Et écoutez, moi je vous retrouve ce soir, hein. Les amis, on vient d'arriver à la soirée. Est-ce que vous avez vu ? Là, je pense que j'ai clairement accompli ma mission d'être une Barbie jusqu'au bout. Petit outfit pour la soirée. Au final, j'ai décidé de porter ma petite création en collier. Je trouvais ça pas si mal et je suis plutôt fière de moi. Et bah écoutez, je vous emmène avec moi. On y va tout de suite. J'ai trop hâte de découvrir. Vous l'avez peut-être vu sur la voiture. C'est une soirée NYX cosmétique, donc c'est maquillage et thème Barbie. Je ne peux pas rêver mieux. Et bah écoutez, on y va tout de suite.